Moi, j'étudie les petits corps du système solaire, en particulier les objets transneptuniens. Ce sont des petits corps glacés et qui sont situés aux confins du système solaire, au-delà de Neptune et de Pluton. Ces corps sont tellement distants que même avec les plus grands télescopes, ces objets apparaissent comme de petits points lumineux. Mais cette lumière, si faible soit-elle, est très riche d'enseignements pour moi. Et ces corps me racontent une histoire, celle de la formation des planètes. Allô Daniel? Oui. Oui, bonjour, Sarah, l'appareil. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Dis-moi Daniel, oui, est-ce que tu aurais des illustrations qui racontent les découvertes des planètes au fil de l'histoire? Oh oui, je dois avoir des choses qui peuvent t'intéresser. Très bien, très bien. On se retrouve à l'observatoire? D'accord, merci, j'arrive. Au revoir. En fait, tu vois Daniel, le nombre de planètes a toujours évolué en fonction de l'avancée de nos connaissances. Dans l'Antiquité, la Terre était au centre de l'univers. Oui, oui. Pour les anciens, oui, les planètes étaient des astres errants, faits d'une matière parfaite et qui tournaient sur des orbites parfaitement circulaires. Et on avait sept planètes, le Soleil, la Lune, et les cinq planètes connues à l'époque, qui étaient visibles à l'œil nu, qui sont Mercure, Vénus, mm-hmm, Mars, Jupiter et Saturne. C'est celles qui font les 7 jours de la semaine. Exactement. Lundi la Lune, mardi Mars, etc. Bon, ça vient, je crois, ça vient des Chaldéens. 7. Au XVIe siècle, un chanoine polonais, Nicolas Copernic, remet en cause ce système géocentrique et pour la première fois dans l'histoire, place le Soleil au centre du système solaire. Oui, et oui. Ah oui. À ce moment-là, le système solaire compte 7 planètes, mais la Terre devient de fait une planète et le Soleil cesse d'en être une. Alors attends, Copernic, c'est bien cette histoire-là, voilà. J'ai une image là, très bien. Alors c'est bien ça, c'est ça qu'il a fait ça. Il a publié le bouquin juste avant de mourir, hein, c'est ça. Exactement, sur son lit de mort. Là on a une très belle gravure très intéressante, bon 19e siècle, hein, qui te montre, voilà. Copernic recevant son livre dans ses mains flageolantes sur son lit de mort. C'est... Au début du XVIIe siècle, on a un astronome, Johannes Kepler, qui est sur la base d'observations très précises qu'avait obtenu son mentor, qui était Tycho Brahe, se rend compte que trois lois peuvent décrire les mouvements dans le système solaire. Ce sont les fameuses lois de Kepler. Mmh, mmh. La première loi, c'est que les orbites des planètes sont des ellipses. Oui. La deuxième, c'est qu'en des temps égaux,
le rayon du Soleil à la planète parcourt des aires égales. Et la troisième loi, le cube de l'orbite sur le carré de la période de révolution, est une constante. Et pour la première fois dans l'histoire, une définition scientifique caractérise la notion de planète. Et à cette même époque, l'astronome Galilée pointe sa lunette vers Jupiter et observe quatre petits points blancs qui tournent autour de Jupiter. Ah oui. Ah oui. Et il découvre les fameux satellites qui portent son nom, les satellites galiléens, mais qui à l'époque, il les appelait les planètes médicéennes. Oui, parce que pour lui, c'était... Puis il fallait faire plaisir au prince. Exactement. Il fallait faire plaisir au prince, prince de Médicis. Donc quatre nouvelles planètes, ce qui porte le compteur à 11. 11 planètes. Qui vérifie les lois de Kepler. 11. Au milieu du XVIIe siècle, il y a un astronome qui travaille à l'Observatoire de Paris, sous la tutelle de Cassinis, qui est Christian Huygens, un Hollandais, et qui découvre un satellite à la planète Saturne, Titan. Et juste après, Cassini lui-même découvre quatre autres satellites à Saturne. Donc tu vois maintenant, au tournant du 18e siècle, le système solaire compte 16 planètes. 16. Mais petit à petit, la distinction entre planètes et satellites commence à faire son chemin. Et à cette époque-là, naturellement, on sépare les corps primaires des corps secondaires. Donc le compte D'accord. des planètes retombe à 6. Au milieu du XVIIIe siècle, on remarque une curiosité dans la distance des planètes. Les planètes se répartissent suivant une loi relativement simple par rapport à la distance au Soleil. Et quand on analyse cette loi, on se rend compte que entre Mars et Jupiter, il manquerait une planète. Bon, les gens s'interrogent, mais pas plus que ça. Mais en 1781, Herschel découvre la septième planète du système solaire. Et chose curieuse, eh bien, cette planète, cette nouvelle planète découverte, Uranus, eh bien, vérifie cette règle qu'on a appelée la règle de Titus Bode. Et tout d'un coup, cette règle qui était un peu anecdotique avant la découverte d'Uranus devient une grande loi de la physique. Maintenant, on ajoute une nouvelle définition à la notion de planète. Une planète est un corps qui vérifie à la fois la règle de Titus Bode et les lois de Kepler. Ah oui, d'accord. 7. Mais il n'y a toujours rien entre Mars et Jupiter. Voilà, il n'y a toujours rien entre Mars et Jupiter. Et c'est un peu par hasard qu'un astronome sicilien, Giuseppe Piazzi, trouve Cérès, le 1er janvier 1801. Ah oui, c'est la patronne de la Sicile. Et puis dans les années qui suivent, 1802 jusqu'en 1807, on trouve encore quatre autres corps de ce type entre Mars et Jupiter, qui sont donc il y a Cérès, Juno, Pallas et Vesta. Ouais. Et donc jusqu'en 1845, on trouve un autre corps et le compteur monte à 12. 12. Uranus ne suivait pas exactement la trajectoire qu'on lui prédisait et donc certains ont pensé qu'une planète qu'on ne voyait pas encore perturber l'orbite d'Uranus. Et Hubin Le Verrier, qui travaillait à l'Observatoire de Paris, et un Anglais également, John Couch Adams, font des calculs et prédisent de façon indépendante la position de cette fameuse planète perturbatrice. Oui. Et c'est l'astronome allemand Gall qui découvre Neptune à la position prédite en 1846. Ah oui, mais c'est magnifique, c'est le triomphe de la mécanique céleste. C'est, alors il a trouvé, comme on disait au 19e siècle, il a trouvé une planète au bout de sa plume. Ça, ah c'est... Oui, c'est, ah, c'est beau. 13. Entre-temps, le nombre d'astéroïdes explose, la découverte d'astéroïdes explose entre Mars et Jupiter, et naturellement, on écarte les astéroïdes du cercle fermé des planètes, et le compteur retombe à 8. 8. Au début du XXe siècle,
tous les astronomes sont convaincus de la présence d'un corps qui reste à découvrir. Et tout le monde fait cette recherche pendant plusieurs années. Et un jeune astronome, Clyde Tombaugh, qui a analysé des milliers de plaques photographiques, découvre Pluton en 1930. Neuf. Mais juste quelques mois après la découverte de Pluton, il y a un astronome, Leonard, qui déjà se pose la question, une question très pertinente, mais on a découvert Pluton, mais ne pourrait pas on penser qu'il existe encore d'autres petits corps ultra-plutoniens qui sont présents comme Pluton au-delà de l'orbite de Neptune, vers 40 unités astronomiques. Mais il faut attendre les années 40-50 pour que deux astronomes, Kuiper et Edgeworth, émettent les premières spéculations et sur la possibilité d'un disque de matière, un disque d'objet au-delà de Neptune et Pluton, où il y aurait des milliers d'objets restant à découvrir. En 1992, deux astronomes américains, Dave Jewitt et Jen Lou, découvrent 1992 QB1. C'est le premier objet découvert à cette époque, mais finalement, a posteriori, c'est le deuxième objet transpontinien, car Pluton, en fait, c'est qu'un représentant, très important, très bien connu, mais ce n'est qu'un représentant de cette fameuse ceinture de Kuiper. Donc, la ceinture de Kuiper, actuellement, on en connaît près de 1300 objets. Et on a découvert même des objets plus grands que Pluton. Ah oui, ça c'est l'erreur. Eris. Donc, Eris fait 2400 km de diamètre, alors que Pluton n'en fait qu'un peu moins, 2300 km. Donc Eris est bel et bien plus gros, et il a fallu prendre une décision. Et en août 2006, l'Assemblée Générale, auquel moi aussi, avons donc voté pour le déclassement de Pluton, qui est finalement qu'un objet transneptunien. Voilà, à l'heure actuelle de nos connaissances, il y a 8 planètes dans le système solaire et Pluton n'est qu'un des nombreux objets de la ceinture de Kuiper. Plus vers l'intérieur. Cette belle sculpture ressemble à un objet de Kuiper. Oui, tout à fait. Il est fait de glace, comme les objets de Kuiper. À l'inverse, les astéroïdes qui sont plus proches du Soleil et de la Terre, ils sont eux faits de roches. Alors là, tu vois, il faut qu'il soit vraiment, il ressemble vraiment à un astéroïde ou un objet de Kuiper. Il faut lui faire plein de cratères. Parce que les cratères, c'est un peu comme la carte d'identité sur l'âge de ces objets-là. Plus il y en a, et plus ces astéroïdes ou ces objets transneptuniens sont vieux. C'est relativement petit comparé aux planètes. Au mieux, tu as des astéroïdes ou des objets transneptuniens de quelques centaines à un millier de kilomètres. Et bien, à cette taille-là, la gravité n'est pas suffisante pour pouvoir maintenir un corps sous la forme sphérique, qui est un peu la forme d'équilibre la plus compacte.
ces objets tournent, donc présentent effectivement, par rapport au télescope, une forme différente. Donc le côté pointu, si tu veux, réfléchira moins de lumière, et le côté plus large, plus grand, reflètera une plus grande partie de lumière. Donc on aura une courbe, si tu veux, comme une vague, avec des hauts et des bas. On croit souvent, à tort, que plus un objet est brillant, plus il est gros. Plus il est brillant dans le ciel, et plus il est gros. Mais en fait, c'est faux, parce que tu peux avoir l'effet inverse. Cela recouvre cet astéroïde avec une couche de matière organique, qui est très bien représentée par cette mixture de cendres de bois avec de la neige. Et donc, avec ça, objet devient très peu réfléchissant. A l'inverse, cet objet est très brillant, et donc dans le ciel, ces deux objets qui ont des tailles pourtant très différentes, l'un est très grand et l'autre très petit, cet objet pourra apparaître beaucoup plus lumineux que celui-ci. Ces objets sont composés de glace, mais mélangés à des matériaux sombres comme des silicates, et puis de la matière organique qui est réputée être aussi une matière très très sombre. C'est essentiellement pour les petits. Oui. Voilà. Parce que pour les gros objets de Kuiper, ils semblent être recouverts en grande partie par de la glace. Oui. C'est en fait, ces gros objets ont une atmosphère saisonnière qui se condense à la surface et qui se vaporise au fil des saisons. Et donc ça contribue à créer la surface du givre qui en quelque sorte rend la surface très réfléchissante. C'est le cas par exemple pour Eris, qui est le plus gros objet transneptunien connu, qui est plus gros que Pluton. Donc en fait, ce givre, c'est essentiellement de l'azote, du méthane, de l'oxyde de carbone qui s'évapore et se recondense. Et ça, ça a été bien observé sur Triton et maintenant sur Pluton, où on peut suivre son évolution au fur et à mesure des saisons. Alors les températures à cette distance, c'est-à-dire à 40 fois la distance Terre-Soleil, elles sont très très basses, de l'ordre de moins 240, moins 220 degrés Celsius. Et en fait, à ces températures-là, la glace d'eau se comporte exactement comme une roche sur Terre. Elle ne s'écoule pas comme les glaciers sur Terre. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement rigide. Effectivement, avec nos télescopes, on a détecté ces glaces dont tu parles. Par exemple, sur Eris, on a détecté la glace de méthane, et sans doute la glace d'azote. Et on recherche d'autres glaces comme la glace d'ammoniac, par exemple. C'est tout à fait possible de les trouver. Oui, c'est tout à fait possible. C'est ça qui est assez passionnant, c'est que la famille qui était la famille Triton-Pluton, qui avait des compositions très similaires, avec dominées par l'azote, avec du méthane et du CO, semble être en fait vraiment le début d'une grande famille de corps qui contiennent ces différentes molécules à l'état solide. Probablement sur peut-être l'ensemble des gros objets de Kuiper, on va les trouver. Donc les plus petits, ça va être un petit peu comme sur Charon. Ouais. C'est que l'atmosphère. Charon, c'est le satellite de Pluton. Il n'y a que de la glace d'eau, c'est ça. Il y a
Probablement plus que de la glace d'eau, mais en tout cas, les glaces d'azote ont disparu. Ont disparu, oui. Parce que la gravité était trop faible, la température peut-être un peu plus élevée. Mais il y a peut-être d'autres hydrocarbures qui sont présents et probablement de l'ammoniac, peut-être mélangé avec la glace d'eau. Donc dans le laboratoire, on a plusieurs techniques pour pouvoir mesurer ces propriétés, soit dans un cryostat, c'est-à-dire dans un ensemble qui permet de refroidir à très basse température, on condense des gaz de la même manière que sur la planète sous forme de glace et ensuite on mesure de quelle manière ces glaces absorbent la lumière, donc ce qui donne la signature spectrale. Mais dans certains cas, on est aussi capable de fabriquer des échantillons un peu comme de la neige, donc qui sont des échantillons qui vont réfléchir la lumière et pouvoir mesurer de quelle manière la lumière est réfléchie, et ça dans la gamme du visible, c'est-à-dire la gamme dont l'œil est sensible, jusque dans l'infrarouge, qui elle est la gamme qui a le plus d'informations sur la composition des molécules présentes dans les surfaces. On peut définir le système solaire comme l'ensemble des corps gouvernés par l'attraction gravitationnelle du Soleil. Outre le Soleil et les 8 planètes, le système solaire comprend les satellites de planètes et les petits corps, astéroïdes, comètes et objets transneptuniens. À cet inventaire, il ne faut pas oublier les poussières interplanétaires et les ions du vent solaire. À regarder de près les caractéristiques physiques de cette grande famille d'objets, on peut y distinguer trois grandes catégories. Une première catégorie comprend les objets rocheux et donc de grande densité. On y inclut les planètes telluriques, Mercure, Vénus, Terre et Mars, mais aussi les astéroïdes entre Mars et Jupiter. Puis on a les planètes géantes et gazeuses. Ce sont des corps très peu denses, car composés en grande partie de gaz. Jupiter et Saturne sont les plus grands et les moins denses, car l'essentiel de la masse est fait d'hydrogène moléculaire et d'hélium. Uranus et Neptune sont plus petits et aussi un peu plus denses globalement, car ils contiennent probablement un gros noyau fait de glace et de roche. Enfin, dernière catégorie d'objets dans le système solaire, les objets glacés. Ici, on retrouve Pluton et tous les objets transneptuniens, ainsi que les comètes et la plupart des satellites des planètes géantes. Ils ont une densité intermédiaire entre les deux catégories précédentes parce qu'ils sont constitués d'un mélange de glace et de roche. On peut les considérer comme les restes fossiles de la formation des planètes externes. Planète gazeuse géante, très très lourd. Hein. Attends, je t'envoie l'astéroïde. Non, je garde là, celle-là. Notre vision du système solaire n'arrête pas de changer au fur et à mesure que les connaissances augmentent. Et c'est tout à fait normal. La science ne doit pas rester figée, mais au contraire, évoluer en fonction des progrès de la connaissance humaine. Pluton a été reclassé en 2006 et on compte maintenant 8 planètes. Mais le système solaire ne restera certainement pas figé. Et qui sait quels autres bouleversements nous connaîtrons dans le futur ? Encore plus supérieure que maintenant, on va en découvrir des millions, des millions, si on arrive. Pluton, on a changé d'avis sur Pluton, si vous comprenez. Oui, parce qu'il n'avait rien de différent par rapport aux objets transneptuniens, et il était beaucoup trop petit pour des planètes. Encore des espèces de fan clubs qui disent faut que Pluton elle revient, ils disent Pluton contre-attaque parce qu'elle veut revenir comme ça. Moi en fait je pense que ça
ça change rien, c'est une planète, même Jupiter ou Mars, qu'elle soit dans le système solaire, je veux dire, parce que c'est pas vraiment encore une organisation assez futuriste pour avoir des échanges commerciaux avec d'autres planètes, des trucs comme ça, je veux dire, c'est trop encore, ça changerait rien qu'il y ait Pluton ou pas Pluton, on bénéficierait ou bien on perdrait rien en fait. Ouais.